Alors, là, on a commencé à faire la pelote avec les grandes parties du t-shirt. On peut également utiliser jusqu'aux manches. C'est-à-dire que la manche, une fois que vous avez enlevé toutes les coutures, se présente comme ceci. Vous allez justement la découper de la même manière. Vous voyez, ça donne ce petit ruban. Voilà. Donc, on va pouvoir également l'enrouler. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment faire justement accrocher, parce qu'on se retrouve avec des petits bouts comme ceci, et on va pouvoir les utiliser sans être obligé de faire des nœuds. Parce que si vous vous retrouvez avec des pelotes en faisant des nœuds de partout, comme vous avez l'habitude de voir sur les trapilots, c'est pas très beau. Quand on tire, ça se défait, c'est pas pratique du tout. Donc, vous avez un petit morceau. On commence toujours par le petit morceau et la pelote, par exemple. Donc le grand morceau. On va faire une petite incision juste ici. Pas trop grosse. La deuxième partie qui est plus courte, bien sûr que la pelote, on refait la même incision. Voilà. Pas trop près du bord pour que ça ne se déchire pas. On a une incision là, une incision là. La partie la plus petite. On va la positionner dessus. On va faire passer l'extrémité donc de la pelote à l'intérieur. Voilà. Et ici, vous faites l'inverse dans le trou qui se situait sur l'extrémité de la pelote. Vous allez passer votre fil qui est beaucoup plus court. Voilà. Et en tirant, vous avez ce qu'on appelle un nœud invisible. Et ça, je vous assure, ça ne se cassera pas. Et vous pouvez continuer comme ceci à agrandir votre pelote. Merci!